Qu'aime moins goût. Alors mon projet porte sur l'élevage, la transformation et la vente de spécialités alimentaires à base de viande porcine. Je suis déjà en activité parce que j'ai déjà une ferme où je fais déjà de l'élevage de porc. Lorsque j'ai vu en fait l'appel à candidature de la Fondation Sunga, j'ai trouvé que c'était déjà une idée novatrice. Je trouvais que c'était très audacieux en fait de donner l'opportunité aux femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprise. Je m'appelle Satya Meravi Andono. Je suis porteuse d'un projet intitulé Prestation de services dans diverses gammes. Le nom de mon projet s'intitule Ninga Agency. On étudie l'étude sur le marché, les différentes étapes du plan d'affaires, parce que avant je ne savais pas même comment rédiger un projet. Mais aujourd'hui, j'ai cette capacité à rédiger un projet. Je m'appelle Kinongan Toumba-Clève Tatiana. Je suis détentrice d'un BTS en gestion financière. Mon activité est basée sur les débits de boissons. Durant ces une semaine qu'on a débuté les cours avec Monsieur Cyril, vraiment, c'est des cours très intéressants. C'est des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait seulement vulgairement, parce qu'on peut ouvrir une entreprise sans pourtant le savoir, quels sont les impacts, quels sont les avantages et les inconvénients. Avec Monsieur Cyril, on a étudié sur le plan d'affaires. Kenge Inès. Avec Monsieur Cyril, on a pris les projets, comment développer ton entreprise et comment l'entretenir et quels sont les projets, tout et comment conquérir aussi nos concurrents. La stratégie, c'est qu'on a pris la stratégie telle que moi, mon stratégie est de baisser les prix par rapport à mes concurrents. Et l'heure de l'ouverture aussi, j'ouvre très tôt par rapport à mes concurrents. Et la façon d'accueillir mes clients aussi, de collaborer avec mes clients. Je me nomme Bandouzi Natacha. Je suis éducatrice. Je suis ici pour une formation. Mon projet se concentre sur la profession des ventes et des poissons. Parce que j'ai parlé de la formation. On ne peut pas parler de la formation sans projet. On rétablit d'abord le projet et puis à la fin, c'est la formation. Et mon projet, ce que je viens de dire, pour aller fabriquer les poissons à Pointe Noire et vient le vendre ici à Brazzaville. Kombo nanga kutukul Solange. Projet nanga yali à côté Kamangwele. Bon, dingue to banzi, na monite, tozo banda bien. Monsieur Cyril, à la Kisibiso, ndenge ya koteka, ndenge ya kozala na ba client. Liboso na laka koyeba te ti, soki oza koteka, il faut yeba ko kontrole, ndenge na kenda kalise ko somba kwanga, il faut na yeba ka combien na zozwa na suka sanza. Na laka koyeba te. Donc na laka koteka ka boye. Je m'appelle Steven Gondien Ivernel. Mon projet c'est reproduction et vente de poissons salés. Mon projet existe déjà. J'ai beaucoup appris. Il y a des choses que je ne comprenais pas. J'ai vraiment profité de cette semaine avec M. Cyril. Kael Bounazebi, licenciée en gestion, comptabilité et finance. Je suis à Sunga parce que c'est d'abord une initiative qui porte sur les femmes porteuse de projets. Et pour moi, je me suis dit que c'était une bonne initiative pour pouvoir faire entendre les femmes, pouvoir les accompagner, de pouvoir faire sortir d'elles l'entrepreneuse peut-être qui est cachée en elle. Voilà pourquoi je suis là, pour acquérir une formation et aussi avoir un appui financier.